des grosses frayeurs aux clameurs soudaines. Ce public, massé autour de ce poste téléviseur, installé dans un kiosque situé au rond-point du marché Yara de Djougou, est passé par toutes les émotions. De l'ouverture du score à l'égalisation des écureuils, en passant par les deux buts ghanéens, ses supporters venus de tous les hameaux de Djougou ont poussé le 11 national. Se substituant parfois à l'arbitre, ses supporters ont livré, depuis la cité des Kwetoni, leur part de bataille dans cette première sortie des écureuils du Bénin. Au coup de sifflet final, c'est la liesse populaire. Avec ce nul, certains rêvent déjà de la victoire finale. On ne veut rien que de ramener le coupe. On veut que les Béninois aient les écureuils. On ramène le coupe au Bénin. On va aller les écureuils. On va aller les écureuils à Cotonou, à l'aéroport. On va marcher de Djougou à Cotonou pour aller les écueils, pour avec le coupe. On veut Cannes pour cette année, c'est à nous. Voilà qui est dit, rendez-vous est pris pour samedi prochain. Mais en attendant, le 12e homme de Djougou continue de célébrer le premier point du nul au goût de victoire.